Merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette grande édition d'informations sur la chaîne du 21e siècle. À la une de ce journal, les taxis motos sont interdits de circuler dans le centre-ville de Kaloum à partir de ce jeudi 6 mai 2021. Les citoyens réagissent à cette décision des autorités qui sonne comme un coup de tonnerre chez les concernés. L'Agence nationale de sécurité sanitaire annonce la fin de la COVID-19 et Ebola en Guinée d'ici le premier trimestre de l'année 2022. On en parle dans cette édition d'information. Bonsoir. Suite à un communiqué rendu public à travers un point de presse, la Direction générale de la police nationale a interdit la circulation des taxis-motos dans le centre-ville de Kaloum à partir de ce jeudi 6 avril 2021. Une annonce qui sonne comme un coup de tonnerre chez les concernés. Très tôt ce matin, une de nos équipes a fait un tour dans le centre des affaires de Kaloum, Alpha Omar Diallo. Ce jeudi, le centre administratif des affaires de Kaloum vibre à son rythme normal. Au niveau du pont 8 novembre, l'on assiste à la navette des taxis-motos en partance du centre-ville, ce malgré l'interdiction de la circulation de ces derniers dans cette commune. Ce motard malchanceux s'est fait retirer son engin alors qu'il ignore les motifs. La communiqué d'hier, moi je n'étais pas au courant. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, vers les 9h, j'ai une cliente qui m'a appelé de venir prendre l'un de ses colis, aller déposer au banlieue. Je suis venu jusqu'ici devant l'Aura Bank ici là. Il y a un monsieur gendarme qui vient m'arrêter. Brusquement, hein, avec la force. Je lui demande, ah monsieur, il y a quoi? C'est quoi le problème? Il dit petit, à mon sous petit, problème n'a rien à Colomba à Koskos. Gorimoto Fari m'a fourré. Une décision que ne partage pas cet autre responsable des conducteurs de taxi-moto sur la ligne Kipe Kaloum. Pour lui, lorsqu'on interdit la circulation de taxi-moto dans Kaloum, impactera plusieurs citoyens. C'est un communiqué vraiment qui dérange d'autres, mais qui arrange peut-être d'autres également. Ça me dérange beaucoup, ça me dérange parce que si on m'interdit la circulation dans une partie de la ville de Conakry, donc ça me dérange vraiment parce que n'oubliez pas qu'il y a effectivement des gens qui sont dans la banlieue qui ont besoin de venir travailler à Kaloum. Poursuivant, il soutient la réglementation au lieu de l'interdiction. C'est la seule solution possible qu'ils nous offrent. Après tout, c'est quand même eux les régulateurs de la circulation, c'est eux qui font la loi. Et voilà quoi, s'ils nous disent que pour conduire désormais une moto, du genre taxi à Kaloum, il faut passer par ses voies et moyens. Je pense que la seule solution, c'est d'appliquer, se mettre en conformité avec cela. Comme à l'image des autres jours, les motards circulent sans crainte dans le centre-ville de Kaloum. A rappelé que la décision interdisant la circulation des engins à deux roues dans cette commune n'est pas une première. Mais jusque-là, l'autorité policière peine à faire respecter cette décision. Santé, on en parle dans cette édition d'information. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a annoncé la fin de la COVID-19 et Ebola en Guinée d'ici le premier trimestre de l'année 2022 à Conakry. Certains citoyens ont réagi face à cette volonté des autorités sanitaires. Suivez-les au micro de Mariam Kindibari et Alpha Omar Diallo. Après la communication de la NSIA, c'est une proposition, mais c'est difficile. C'est un but fixé, mais c'est très très difficile. Selon la mentalité de la population guinéenne. La partie intellectuelle, la grande partie intellectuelle croit. Mais si eux n'arrivent pas à comprendre, et ceux qui ne savent pas lire, qui n'ont pas été à l'école, comment ils peuvent comprendre? Pour une question de probabilité, je pense que pour la bonne meilleure condition que nous aurons à venir au futur, ça pourrait être possible, mais pour que nous puissions vaincre ces maladies, il faut que nous aurons l'ANS peut coopérer aussi avec la coopération de la population. Si la population accepte de respecter toutes les mesures barrières qui ont été imposées par l'ANS, je pense que c'est très facile que nous puissions vaincre d'ici l'an 2022. Pour la maladie COVID-19, pour COVID-19, on peut vaincre la maladie. Inch'Allah, on peut vaincre la maladie.
Et puis, depuis plus d'un mois, les bus qui assurent le transport public ne circulent pas sur la route Le Prince. Cette situation n'est pas sans difficulté chez les usagers de ces trajets. Ils demandent aux autorités de faire face à ces problèmes afin qu'ils aient des bus. C'est un reportage de Ibrahim Diallo. Assis dans un coin, Kadino René a fait 2 heures à l'attente d'un bus pour rallier son Founia. Malheureusement pour lui, il apprend la disparition des bus dans la circulation sur la route Le Prince depuis plus d'un mois. Comme vous le constatez, nous nous mettons en rang pour attendre à ce qu'il y ait un bus de son Founia, mais malheureusement il n'y en a pas. Je lance un appel au niveau du président et à son gouvernement, surtout au ministre de Transport, de penser à trouver au moins, même si c'est 3 bus, sur le chemin de Symphonia. La directrice de la communication de la société qui s'occupe de ce bus explique les raisons de cette absence. Comme vous le savez, nous avons des bus chinois, des King Long, et nous avons des Mercedes qui a été offert par l'État turc à la Guinée. Et les King Long, qui sont des bus chinois, donc faire venir quelque chose, des pièces de change de la Chine, prend énormément de temps, malheureusement. Nous essayons de faire le maximum pour répondre aux besoins des citoyens. Cependant, de nouveaux bus sont attendus dans les mois à venir, souligne cette responsable. Nous travaillons avec le ministère du Transport en toute collaboration pour pouvoir renouveler la ligne de bus. Et nous espérons très prochainement pouvoir avoir des bus climatisés en très bonne santé. Cette situation n'est pas une première sur l'axe, nous a confié un citoyen. Selon lui, cette attitude est discriminatoire vis-à-vis des usagers de ce trajet. On parle à présent d'environnement. Depuis un certain temps, les déchets plastiques prennent de l'ampleur en Guinée. Ils contribuent à la dégradation et à la pollution de la nature. Selon les statistiques, Conakry seulement produit 1200 tonnes d'ordures, dont les déchets plastiques. Et ce jeudi, notre rédaction a rencontré un environnementaliste et un gestionnaire de déchets plastiques, Bintou Souma et Moustapha Diané. Reportage. En Guinée, les déchets plastiques sont produits par tonnes tous les jours. D'après les statistiques du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, en 2018, plus de 485 000 tonnes de déchets plastiques non biodégradables et hautement polluants sont produits chaque année. Pour cet environnementaliste, les causes sont connues de tous. C'est le dernier consommateur qui jette ces ordures-là, ces déchets plastiques-là dans la nature. Mais assez, l'État a une politique avec ses clients, je peux dire les industries, pour pouvoir chercher une solution à mettre en place pour ne pas que ces déchets-là se retrouvent dans la nature. Donc, nous sommes tous condamnés, l'État, les industriels et les citoyens. Ces déchets plastiques, s'ils ne sont pas traités, ont des conséquences énormes sur l'environnement. Pourtant, le taux de recyclage n'atteint pas encore 10% dans le pays. Le président de la Fédération des gestionnaires des déchets explique. Les membres de la Fédération des gestionnaires des déchets de Guinée aujourd'hui sont d'abord à la première ligne en ce qui concerne ici la collecte des plastiques. Ils collectent, ils traitent environ plus de 30 tonnes sont collectées dans le Grand Conakry par jour, et sans tenir compte aussi de l'intérieur du pays. Et ces plastiques qui sont collectés permettent ici aux PME de production des pavés. À Conakry, la production moyenne de déchets est de 1800 tonnes par jour et 270 tonnes de plastique. Ces acteurs proposent des pistes de solutions. C'est dire à l'État de mettre des centres de recyclage de plastique, ça existe partout dans le monde, pour recycler ces plastiques, donner une seconde vie à ces plastiques, pour ne pas que ces plastiques-là se retrouvent dans la nature. Chaque entreprise ici doit avoir ses fiches de détention de tous les types de déchets qu'ils ont. Et les entreprises qui gèrent également aussi doivent pouvoir certifier qu'ils ont effectivement géré les déchets-là. Le plus perdant dans toute cette histoire, c'est la population. C'est de pousser la population à prendre conscience sur les dangers des déchets plastiques. Depuis 2010, plusieurs politiques de gestion des déchets solides ont été mises en place par les autorités. Malgré cela, les résultats restent peu concluants.
Direction l'intérieur du pays. À Cancan, la nuit du mardi 4 au mercredi 5 mai 2021 a été particulièrement agitée dans la commune urbaine. Les fidèles musulmans qui s'opposent à la décision du secrétariat général des affaires religieuses interdisant les prières nocturnes des 10 derniers jours du mois de Ramadan ont envahi les rues. Ils ont érigé des barricades et incendié des pneus à plusieurs endroits de la ville avant de s'attaquer au domicile privé du grand imam et le patriarche de la ville de Cancan. On suit cette correspondance d'Abdoulain Koya Sila, basé dans la région. La décision d'interdire les prières nocturnes dans les mosquées est mal accueillie à Cancan. Alors que le grand imam a appelé hier à travers un point de presse au respect de cette décision, il a reçu la visite inopinée d'un groupe de jeunes qui a attaqué son domicile privé sis au quartier Timbo. C'est à 2h du matin qu'ils sont venus. Lorsqu'on les a vus, on a appelé les autorités afin d'envoyer les renforts. Dès qu'ils ont vu les forces de sécurité, ils se sont mis à jeter les cailloux avec de grosses injures. Ils ont terrorisé des barricades et brûlé des pneus. Déjà, certains manifestants sont identifiés et d'autres mis aux arrêts selon nos informations. On a réussi à attraper deux parmi eux. Il y a même certains qui sont dans notre quartier. Nous continuons à faire des enquêtes. Nous savons qu'ils ont été envoyés parce qu'on ne peut pas se lever à 2h jusqu'à 4h en train de terroriser les gens sans qu'on ne soit mandaté par quelqu'un. Tinyeli qui est sous les ressources 2h du matin jusqu'à 4h au Tekeni Kuntala. Le domicile de Mbemba Madifin Kaba, patriarche de Cancan, a aussi été attaqué. L'autorité morale s'est dit surprise de cette attaque. Ils sont venus jeter des pierres chez moi ici, mais je leur ai fait quoi? Je n'ai jamais dit de ne pas prier là. Ce sont les autorités qui ont fait l'interdiction. Cette décision est due à la propagation du coronavirus. On ne sait pas pourquoi cette attaque contre mon domicile et celui du premier imam. Ils savent pourtant où se trouve le gouverneur, le préfet et le maire. Il y a préfet là, il y a préfecture là, il y a gouverneur là, il y a maire là. Dans la matinée de ce mercredi, une vive tension a éclaté entre les partisans et les opposants de la prière nocturne collective. Des blessés et des interpellations ont été effectuées par les forces de l'ordre qui ont utilisé du gaz lacrymogène. Le COVAX est une politique de l'Organisation mondiale de la santé qui vise à fédérer plusieurs pays du monde autour de la gestion des vaccins afin d'influencer le marché. Cependant, malgré les efforts, à date, le continent africain est au-dessus de moins de 2%. Sayoun Kamara pour plus de détails. C'est dans le but d'atténuer l'impact de la pandémie en santé et au niveau économique qu'a été mise en place le COVAX. Cette initiative regroupe en son sein 190 pays du monde. La catégorie de ce que nous appelons les pays qui peuvent financer eux-mêmes les vaccins, et la catégorie des pays qui peuvent être appuyés, et notamment c'est la deuxième catégorie des pays jugés moins avancés qui peuvent bénéficier des subsides de COVAX. Donc ce mécanisme est un mécanisme un peu hybride qui met en place non seulement les pays qui peuvent acheter les vaccins eux-mêmes, et les pays qui, avec l'appui de l'aide internationale, vont bénéficier de ces vaccins par rapport aux pays qui ont fait de négociations bilatérales avec les fabricants de vaccins. Depuis le démarrage de la campagne de vaccination, le programme de COVAX a déployé plus de 690 millions de doses. Dans la distribution de ces vaccins, le continent africain occupe le bas du tableau avec un taux d'accès de moins 2%. Donc nous avons un vrai problème de disponibilité de vaccins. Moins de 2% des doses qui sont disponibles au niveau global sont venus en Afrique. Donc ça, c'est un gros problème, la disponibilité de vaccins. Mais nous avons également un deuxième facteur, effectivement, que nous ne devrons pas négliger, c'est une certaine méfiance, et ça a été largement discuté dans la première partie de la conférence, sur certaines couches des populations par rapport à l'acceptation des vaccins. Malgré la présence des vaccins, l'épidémie de COVID-19 continue sa progression dans le monde. À date, l'humanité compte 154 396 147 cas de contamination, dont 3 229 083 décès. Les foyers majeurs de l'épidémie se situent dans les zones de l'Asie du Sud-Est,
de l'Europe et de l'Amérique. En Afrique subsaharienne, 25 à 95% des femmes utilisent des produits cosmétiques qui contribuent à la dépigmentation volontaire. En Guinée, nombreuses sont des personnes qui font l'usage de ces produits dans le but de déplaire leur peau. Un dermatologue rencontré ce jeudi est revenu sur les inconvénients de cette pratique. C'est un reportage de Yahya Oumoubari et Alforma Diallo. La dépigmentation cutanée est une pratique qui consiste à la destruction de la mélanine, source de la noirceur de la peau. Ce phénomène est présent en Guinée, chez certains hommes et femmes de tout âge. Une pratique qui ne reste pas sans conséquences. Effectivement, le cancer de peau peut survenir. Ça, c'est, effectivement, ça, ce sont des complications encore locales. Effectivement, au niveau de la peau qui s'éclaircit, la peau qui devient fragile, avec l'effet de ces produits-là et aussi du soleil qui... Parce que là, en faisant, la peau est détruite. Et quand, lorsque la peau est détruite, les cellules cutanées sont aussi endommagées, ce qui fait que les rayons UV du soleil ne sont plus absorbés par la mélanine, qui dont la production est empêchée par ces produits. Donc, il est évident qu'effectivement, ça peut entraîner des cancers épidermoïdes. Ce phénomène d'éclaircissement de la peau noire serait souvent une cause de mortalité en Afrique noire, d'où l'appel de ce dermatologue à l'endroit de la population. Il faut laisser la peau être normale, ne l'agressez pas. N'utilisez pas les produits cosmétiques parce que quel que soit le taux de produits cosmétiques que vous mettez sur le corps, vous ne serez jamais blanc. Vous serez peut-être rouge ou jaune, mais vous serez jamais clair. Donc là, laissez comme ça. Et si vous voulez trop de boutons, si vous voulez le diabète, si vous voulez l'hypertension artérielle, si vous voulez l'insuffisance rénale qui entraîne facilement la mort, alors utilisez les produits cosmétiques. Sinon, vraiment, si vous voulez pas toutes ces pathologies graves là, le diabète, les soins rénales, les soins artériels, il vaut mieux cesser d'utiliser les produits cosmétiques qui éclaircissent la peau. D'après un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, 47% des femmes africaines se dépigmentent. Malgré les fortes disparités de tout genre sur le continent, 72% des produits dermatologiques vendus seraient des produits éclaircissants. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Surtout, ne quittez pas car le programme des Star 21 TV reste riche et varié. On se reprend sur cette antenne pour d'autres informations. Au revoir.